Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Resident Evil 4. On va faire le chapitre 5, One. Quoi, comme ça t'as pas compris? C'est le chapitre 5-1, tu vois? Français, anglais, 5-1, 5-1. Et voilà. Bon, du coup, on va tout simplement couper la cinématique parce que je m'en fous. Voilà, non, ça voulait pas se couper, je sais pas pourquoi. Lui aussi, je m'en fous, hein, allez, casse-toi. Voilà. Donc du coup, attends, je regarde juste un truc. Voilà, examinar quand même. Hein. Oh putain, non mais celui-là, il reste là, il reste dans la gorge. Là. Examinar là, j'arrive pas à l'avaler, je sais pas pourquoi. Oh putain quoi, non mais examinar quoi, mais franchement, enfin, c'est horrible. Oh là là là, un jeu comme Resident Evil 4, ils mettent examinar. Oh, on dirait de l'espagnol, c'est. Enfin bon. Donc du coup, ce qu'on va faire. On va tout simplement faire le chapitre 5-1. Non, 5-1, pourquoi je dis 5-1? Voilà. Donc d'abord, on va commencer par. Attendez. Voilà. On va aller au fond et puis on va récupérer. Comment ça s'appelle? Bah, tu vois, je sais même plus. Attends. Je crois qu'il y a un bijou et puis après, je sais plus. Mais enfin bon. Donc du coup, on va tout simplement récupérer ce qu'il y a. Hop là, voilà donc les balles de pistolet et un bijou. Bon, il y a un bug ici pour pouvoir aller là-bas et tout ça, mais bon, je m'en fous un peu. Pour l'instant, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement se barrer d'ici. Voilà. Donc, je sais vraiment pas comment je vais faire. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Attends, on va. Oui, bah c'est bon, arrête de gueuler, merci. Oh putain, bon, en espérant qu'ils me repèrent pas en faisant ça. Bon, bah nickel. Ils me repèrent pas, ils sont trop cons pour ça. Alors juste comme ça, là, je ne sais plus, Ah, il y en a un, là. Il y a moyen que tu viennes, toi? Ouais? Si tu peux venir là. Tu vas où? Ah merde, ah mais c'est ouvert, ici. D'accord, bah tu vois, je savais pas. Comme quoi, j'en apprends toujours. Enfin, j'avais surtout oublié, quoi. Mais bon. Ouais, donc là, on va le désinguer facilement. Hein. Il est tout seul, tranquillou. Ah, quoique, hein, cet enculé. Ah, il résiste, hein, putain. Eh, non, mais attends, le mec, il est là. Pas de soucis, il résiste. Ça commence vraiment à être chiant. Non, attends, ce qu'on va faire. En mode infiltré. Il n'y a personne, c'est bon. Bon. On va aller là. Ouais. Franchement, je suis pas sûr que j'arriverai à le placer bien comme il faut. Je sais pas si que. Bon. Ouais. On peut essayer. Hein. On sait jamais. Des fois que. Donc lui, il vient de là. Donc il viendrait ici. Ouais, franchement. Ah, je sais pas trop là. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc du coup maintenant, on va tout simplement aller faire l'autre. Seulement. Non mais c'est dégueulasse. Putain mais franchement toi, dégage. Merde. Non, je rigolais. Quand je dis dégage, c'est en tant qu'ami, tu vois. C'est genre, hey, comment tu vas, tu vois. Voilà. Oh là 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 là. Attends. Eh mais attends, mais je regarde, mais il m'a pas enlevé beaucoup de vie, c'est ça, c'est bon ça. Bon, ça par contre, ça va pas le faire. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire ça. Voilà, ferme ta gueule, s'il te plaît, merci. Donc voilà. Bah j'ai pas fait ça pour qu'ils tuent les zombies, hein. J'ai juste fait ça pour bah, qu'ils viennent, tout simplement. Et puis, en le faisant venir, je vais tout simplement exploser la tête de ce monsieur là. Enfin de lui là. Il est où? Putain. Ah merde. Mais heureusement que j'ai réagi hein, parce que sinon j'aurais été vraiment dans la merde. Eh, ta gueule. Ah c'est bon, il vient ici. Génial. S'il y a moyen de faire les deux en même temps. Oh, vous avez vu ça un peu? Putain, ça c'est pas un peu c'est pas un peu bon ça? Allez, ferme ta gueule mon petit. Merde. Tais-toi, s'il te plaît, merci. On va prendre. Allez, un petit peu de mitraillette, ça fait toujours plaisir.
Tu peux venir ici, s'il te plaît. Voilà. Pas trop tirer à côté non plus. Non, vas-y, viens là. Arrête de bouger dans tous les sens, putain. Genre. Oh, tout ce qu'il m'a enlevé d'un coup, ce fils de pute là. Non, mais t'as vu tout ce qu'il m'a enlevé? Non, mais attends, c'est du what the fuck là. Bon. Ouais, on va utiliser ça. Et on va prendre le pistolet. Putain, allez. Oh là 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 là. Bon, allez, soyons sérieux cette fois-ci. On l'a tué, voilà, il n'y a plus personne qui nous... Encore ? Enfin bon. Qui c'est qui est là, là ? Moi, je suis un fou, moi. Hein. Je fais du kung-fu et tout. Ah, putain ! Mais non, mais j'ai reculé et tout, là ! Nique ta mère, mon gars, nique ta mère. Non, je m'en bats les couilles. Oh non, mais c'est bon, quoi. Oh, quand on va me casser les steaks, ceux-là, là. Vas-y, venez là, moi, je vous défonce, direct. Je cherche même plus à comprendre. Roger, mais qu'est-ce qu'il a, Roger? Il a rien fait, Roger. Laisse Roger tranquille. C'est pas de sa faute. Allez, casse-toi, toi, t'es con. Toi, si tu pouvais te barrer aussi. Merci beaucoup. Non, mais regarde l'autre avec son bouclier, là, il était mon con. Il a vraiment cru qu'il allait faire quelque chose, quoi. J'ai un bouclier à la con. Attends, juste. Ouais, je vais essayer de te faire tomber. Je vais essayer de me barrer par là. Oh, magnifique. Ça, c'est bon. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire. On va activer notre petit laser. Voilà, donc normalement... Voilà, bon, ça nous fait rien, nickel. Pas de soucis, ça nous traverse, c'est nickel. Bon, voilà, il a failli nous tuer, mais bon, ça, on va faire obstacle. On va pas le dire, on va faire comme si c'était rien passé. Putain, il m'a enlevé beaucoup de vie, l'autre connard, avec son coup de d'électricité de mes deux, là. Putain, enculé, il m'a tasé, mon gars, oh, ça m'a enlevé la moitié de ma vie. Enfin bon. Putain, oh, c'est chiant ça. Voilà, nickel. Bon, il y a des fois, hein, il faut patienter, il faut taper petit à petit. Ah bah ouais, mais c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que je te dis? C'est des petites astuces. C'est un peu long, mais il faut le faire. Si tu veux rester en vie. Casse-toi, merci. Est-ce que toi aussi tu peux te casser? Voilà, c'est sympathique. Non, attends. J'allais faire le truc, mais trop rapide cet enculé. Putain, mais vous mourrez jamais ou quoi là? Et toi, casse-toi. Tu meurs? Nickel. Oh mais vous êtes combien là? C'est... Putain, moi j'ai pas... je me suis pas abonné à Zombie et compagnie. Hein. Bon allez, vas-y, viens là. Voilà, hop. Est-ce que c'est bon? Même pas? Non, mais de pas loin. C'est qui me tire dessus là? C'est l'autre connard là, c'est lui. Hein. Ouais, je sais pas où il est, pour l'instant j'ai pas trop envie de le savoir. Non, c'est dégueulasse. Mais non! Mais non! Mais allez, vas-y, je le cut et tout, machin et tout, là, fils de pute, vas-y! C'est vraiment un jeu de merde, ça! Cette fois-ci, on n'a pas perdu de vie, donc tant mieux. Des balles de sniper, ça fait plaisir. Calme-toi, mon petit, tu vas pas faire ça, c'est clair que non. Voilà. Donc, on fait attention, parce qu'il y a l'autre connard à l'arbalète. Bon, attends, jusque là, lui, il commence à me saouler. Voilà, casse pas les couilles, s'il te plaît. Voilà, non, parce que bon... Hein, quand ça va être chiant le mec, on va pas faire long feu avec moi. Hein. Toi tu fermes ta gueule, s'il te plaît. Putain, l'autre il est déjà là quoi. Putain, vas-y, viens mon gars, je te défonce. Bon, toi ta gueule. Merci. Vas-y, il est où? Tiens, enculé de merde. Oh, il est tombé, mon gars. Mais alors, vraiment comme une merde. Attends, tu vois, on va le prendre par le côté. On va faire paf. Si possible, un petit X. Oui. Oh, attends, les gars, attends. On lui a fait un X à temps, dis donc. Un X à temps. Tu connais pas les X à temps? Les X à temps, c'est... C'est pas les Satans, tu vois, c'est les X-Satans. C'est une autre sorte de Satan. Bon, alors du coup, ce qu'on va faire, on va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Et puis après, on activera ce qui a besoin d'être activé. Voilà, donc là, c'est bien parce qu'on n'a pas perdu de vie. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Cette fois-ci, on récupère les balles de mitraillette. Et puis, je crois que c'est tout. Bah voilà. Du coup, on va activer cette porte. Et comme ça, on va pouvoir aller sauver Ashley. Enfin... Pas tout de suite. Ah non, il va falloir faire quelque chose avant quand même. Mais bon.
Après, je sais plus exactement ce qu'on fait, donc ouais, je saurais pas dire comme ça. Je me rappelle plus du tout. Quoique, on ouvre la porte, on arrive là. Puis après, on a... Ah ouais, si, je sais, c'est bon. Alors, du coup, pivoter, oui. Voilà. Donc, c'est où qu'on pivote alors? Parce que moi, j'ai pivoté un peu trop loin. Quoi? J'avais pivoté vers là, ici, j'avais fait ici, là. Et ça me disait que le truc, il était là. Mais c'est complètement débile. Enfin bon. Ouais, donc il faut pivoter vers là. Bon, bah, si tu veux. Ok, donc du coup. Bah maintenant, on va pouvoir se barrer. On va pouvoir se barrer. Alors par contre, va falloir faire attention. Parce qu'en fait, va falloir esquiver. Donc il va falloir être réactif. Voilà, donc là, bah, le fusil à pompe. Il faut y penser, voilà. Bon, ça sert à rien parce qu'on n'en a pas, mais bon, il faut y penser. Voilà, donc faut faire gaffe à les bouffons là, parce que là, il y a la pierre et puis ces bouffons vont tout simplement la faire tomber. Voilà. Voilà, donc si on connaît pas, on fait pas forcément attention et du coup, bah, on est dans la merde. Voilà, donc on récupère la plante, les sous. On va tout simplement tuer cet enculé. Ah, t'as cru que t'allais m'avoir, sale PD de merde. Hein. Hop, 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 calme-toi. Ta deuxième flash, tu la tires, oui. Attends, j'attends que l'autre y vienne. Parce que. Sinon, ça va pas le faire. Ta gueule. Merci. Et un petit stupex. Voilà. Non, mais j'ai tiré, mais. Putain, nique ta mère. T'en profites, là. Espèce d'enculé de merde, va. T'en profites, sa mère, la pute. Vas-y, j'aime pas les gens comme toi. Putain, t'en profites que je suis en train de. Je sais même pas ce qu'il fait là, ce bouffon là, à mettre 2 ans à se lever là. Ouais, toi, hop, tu fermes tes yeux, merci. Voilà, t'as le démon, hein, t'es tombé comme une lopette. Boum, regarde. Allez, putain, hop là. Il a perdu l'usage de ses jambes d'un coup comme ça. Boum. Putain, non, mais attends, heureusement que ça fait pas beaucoup de dégâts les flèches parce que sinon, oula. Là, tu m'aurais vénère. Hein. Bon, du coup, maintenant, on monte. En ayant perdu malheureusement des points de vie, mais bon, ça c'est pas le plus grave parce qu'on a pas non plus perdu énormément beaucoup. Alors si tu pouvais franchir, voilà, ça serait génial, merci. Voilà, donc t'es tellement con parce que tu l'as fait, voilà. Non mais il y en a des fois, hein, ils sont un peu cons, tu sais pas pourquoi. Ok, on recule parce que c'est pas qu'on a pas envie de se faire laminer, mais un petit peu comme... Putain Léon, tu vas vers la gauche, mais il est con ce Léon. Oh là là, mais c'est un truc de fou, mais putain, je lui demande d'aller vers la gauche. Non, il va tout droit. Il va tout droit. Putain, mais t'es vraiment con, c'est pas possible. Nique ta mère. Regarde, gni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 gn, j'ai foutu une patate, moi. Gnignignignignignign. Ah putain. Bon, voilà, voilà, putain. On devrait utiliser des plantes. Je crois qu'il y avait une plante jaune là-bas. Hein. Ah, je suis pas sûr, mais je crois. Hein. Et je viens de remarquer qu'on a quand même 400 000 points. Ce qui est plutôt badass. Non, ce qui est plutôt pas mal, franchement. Donc ça fait plaisir à savoir. Vas-y, viens. J'ai dit, vas-y, viens. Merci beaucoup. Si tu peux éviter de me taper, merci. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais les prendre ici. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on doit être au 80% de couteau. Donc voilà. Oh là, franchement, j'ai géré. Je suis bien content de moi. Là. Il va falloir que je recule. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait me niquer. Mais non, c'est bon. Oui. Oh, j'ai eu de la chance. Allez. Eh, mais tu meurs jamais, toi, ou bien ça se passe comment, là? Yeah. Putain, heureusement que le troisième, il est pas venu parce que. Allez, monte. Putain, mais Léon, Léon. Oh, handicapé, le Léon. Hein. Bon, par contre, là, il va falloir que. Je dégage. Oh, j'ai chaud. Allez, viens. Viens, je te défonce. Boum. Allez, hop là, c'est reparti pour une valve de couteau. Et tac, et tac, et tac, et tac, et oh. Et tac, et... bon, c'est fini. Voilà, donc là, on va niquer le dernier tranquillou. Alors, t'es où, mon petit? Déjà, on va aller à droite, on récupère le joyau, et... Et y a rien du tout, voilà, nickel. Alors, juste, vous pouvez venir, voilà, fais attention, comme ça. Non, fais attention, fais attention. Là, il est là, hop là, fais pas chier. Hop là. Oh putain, dit oh là c'était lent. Oh l'attaque était très lente, j'ai failli me faire tuer. Mais bon. Voilà. J'ai quand même réussi à le défoncer. On va quand même reculer. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Ok, nickel. Oh là là, bah dis.
On gère, hein. Petit à petit, on les défonce. C'est long, mais c'est utile. Enfin, c'est nécessaire pour pouvoir faire un maximum au couteau. Enfin bon, du coup, hop, on prend l'herbe rouge. On défonce cette merde. Ça, on va pas le faire au couteau, ça, hein. Tu penses bien, hein, voilà. À part si t'es débile. Bon, voilà. Bon, au final, il y avait pas d'herbe jaune, donc du coup, bah, c'est pas très grave, hein. Mais bon, il y avait une herbe rouge, c'est déjà bien. Voilà, on va dire que c'est peut-être plus important à ce niveau-là d'avoir une herbe rouge qu'une herbe jaune. Parce que bon, c'est pas que notre vie est presque à fond. J'ai même pas eu besoin de mes starts, en fait, je suis con, c'est juste là. Mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, ouais, voilà, tu vois, la vie est presque à fond. C'est pas utile d'avoir une plante jaune. Je pense que même on s'en servira que pour Ashley maintenant. Ça va être bien utile. Non, viens là, toi. Putain, mais nique ta race, mon gars. Et toi, mon gars. Non, mais attends, attends, il y a l'autre là. Oh là 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 là, je vais faire comment pour le niquer celui-là, là. Oh, tu sais que t'as failli me toucher, toi, espèce de bâtard de merde. Putain, oh, je vais tirer dessus. Arrête de casser les putains de couilles, mon gars. Et il meurt jamais, lui, hein. Voilà, enfin. Putain, mais vas-y, là. Attends, attends. Voilà, casse-toi. Putain, j'utilise je sais pas combien de balles juste pour eux, quoi. Mais non, attends, laisse-moi tirer, sale fils de pute, là. Mais non, oh, je... Putain, mais je vais tirer dessus, je vais pas tirer dans son casque à la con. Quoi, encore? Et tu sais que vous me cassez les couilles. Vas-y, toi, casse pas les steaks. Meurs, voilà. Putain, ouais, non, mais c'est bon, ils sont chiants. Putain, lui par contre je m'y attendais plus là, putain de ta mère, c'est pas possible ça. Mais non mais j'ai tiré là ta mère la pute là. Putain mais vraiment va te faire enculer sale connard, va laisse-moi prendre mes esprits là. Pute de ta mère là. Ouais mais putain mais non mais casse pas les couilles toi. Vas-y j'ai même pas eu le temps de bouger là qui me nique déjà ce fils de... Hein. Bon. En attendant ça s'est déjà mieux passé, voilà. On n'a pas de plante jaune. Non, bon, dommage. Donc on va les attendre. Bah voilà. Si, si, on va les attendre. Si, si, tranquillou. Viens, vas-y, viens là, toi. Je te défonce. Hop, un petit suplex pour le plaisir. Et voilà. Nickel. Ça, c'est bon, ça. Ça fait plaisir. C'est pour nous, c'est gratuit. Non, je sais pas, je sais pas. Bon, alors... Personne là? Bah c'est gratuit, vous pouvez venir gratuitement. Pas besoin de payer, rien et tout. C'est offert, c'est gratuit. Et si vous me croyez pas, franchement, je vous assure, c'est vrai. Hein. Attendez, regardez sur notre site internet gratuit, super trop génial. Putain, mais oh, mais vas-y, j'appuie pas sur son putain de bouton là. Vas-y, Microsoft, mais vous me cassez les couilles. Oh là là, mais c'est quoi ces manettes de merde là? Tu touches le joystick, ça touche le bouton du milieu. Waouh, super, trop bien fait, dis donc. Putain, vous êtes vraiment des fils de pute, Microsoft, hein, mais. Oh. Et la prochaine fois, vous faites un jeu de merde, mais. Enfin, vous faites des manettes de merde, prévenez-nous, hein, putain. Non, mais qu'on s'achète pas comme des cons. Vas-y, allez, casse-toi, toi, tu m'as cassé les steaks. Bim, hop là, ça c'est fait. Bon, ça va pas tuer grand monde, mais bon. On va dire, c'est déjà bien. Je sais pas où il tire l'autre là, mais. Enfin, bon, il est un peu gogol. Bon, ça c'est pas le plus grave. Y'a plus personne ou bien. Non, c'est bon. Parce que je sais pas. Je sais pas où il est l'autre là. J'en ai entendu un. Je sais pas où il est. Ok, vas-y, viens là toi à la limite. À la limite, à la limite. Bon, toi, bon, on va. Non, on va te commencer au pistolet quand même parce que. Faut bien pouvoir te taper. Ah, mais d'accord, toi t'es à la dynamite. D'accord, et pourquoi tu sors pas de dynamite, putain? Autour mon gars. Attends qu'il sorte une dynamite toi. Attends qu'il en sorte une. Putain mais pourquoi pas par derrière là, espèce d'enfoiré de merde. Allez pète là, non tu pètes pas putain. Putain c'est dur de gérer ces deux connards là. Allez cassez-vous. Allez. Toi tu crèves. Merci, recule recule Léon, recule. Voilà. Intelligent le Léon, intelligent. C'est bon? On a tué tout le monde? Ouais. Hein, à part ces deux connards là. Ah non, il y a lui. Vas-y, viens là. Viens là, viens là. Merde, putain.
Juste au niveau munitions. Putain, il nous reste 49 munitions, quoi. Oh, par contre, au niveau fusil. Oh, je suis content, j'ai repris des munes, quoi. Ah, je suis content. Non, mais là, franchement. Attends, juste. Merci beaucoup. Voilà, putain, c'est un... oh, niveau vie, par contre, c'est galère, là. Ah ouais, non, mais attends. Va falloir que je range ça après, hein. Bon. Vas-y, viens là, toi. Peut-être que t'auras des munitions en poche. Oh, on sait pas, hein. Des fois. Petite munition en poche. Bon, tu viens, là. J'ai autre chose à foutre, moi. Hein. Oh, espèce d'enfoiré de merde, va. Vas-y, va te faire enculer. Non, mais c'est bon. L'autre, il se fout de ma gueule, il me troll et tout, tu sais. Non, mais c'est bon, quoi. Bah, attends, j'y crois pas, quoi. Oh là là. Non, mais il y a des zombies, des fois, je te jure, mais il faut... Oh là là, mais... Ils sont complètement cons, hein. Allez, toi, est-ce que t'as des nouvelles améliorations pour le... sniper? Est-ce que t'en as? Attends, juste toi. Ok, ouais, donc, de toute façon, je suis à 21. Donc, ça va pas le faire. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et vous savez pourquoi? Déjà, parce qu'on va avoir 21 balles de gratuit, hein, vu qu'on en a 3 dans le chargeur. Et... Non, à la limite, on va faire ce qu'on va faire. On aura plus de balles de gratuit, au moins. On va simplement déjà défoncer. Mais vas-y, fais pas yesh. Ah, tu vois, une petite intelligence, tu vois. Petite intelligence, là, tu défonces celui qui casse les couilles. Quoi? Qu'est-ce qui... Mais c'est qui tire? C'est l'autre connard, là? Oh là là, mais franchement, il y a des zombies, des fois. Oh, mais vas-y, t'es sérieux? C'est quoi ce coup de merde, là? Putain, Léon, tu casses les couilles. Enfin bon, on s'en fout. Voilà, donc du coup, optimiser. On va optimiser le fusil, voilà. Et là, l'exclusif, les gars. Une cadence de tir énorme. C'est un truc d'ouf. Vous allez voir, ça fait pouf, pouf, pouf. Et c'est vraiment énorme. Ça vaut vraiment le coup, c'est un truc de fou. Alors, la contenance, 250. Il me reste combien de balles sur ma mitraillette? Ok, ouais, bah dès que je serai au prochain marchand, j'achèterai ça. Donc là, ah, la carte à l'île, pourquoi pas. Est-ce qu'on a autre chose? Non, pas de spray, rien. Alors, on va vendre les fusils à pompe, ouais. Magnum, oui, on va vendre le Magnum. Voilà. On va vendre... On va vendre. Ouais, donc... Spray, donc on a les émeraudes à vendre. Le lynx, on le garde. Et puis, voilà. Donc, du coup, on va prendre la mitraillette en main, ça sera mieux. Comme ça, au prochain marchand, on va pouvoir... Putain, mais l'autre, il est toujours là en train de tirer, quoi. Mais il est complètement con, ce mec. Oh là là, non, mais il y a des fois, franchement. Il y en a, et ils sont désespérants. Allez, toi. Casse pas les steaks. Putain, j'en étais sûr, sale enfoiré de fils de pute. Mais qu'est-ce que tu me regardes comme ça, toi? Mais qu'est-ce que tu me regardes comme ça, espèce d'enfoiré? Bah, t'as comme il m'a regardé, le fils de... Oh là là, hey, il m'a vénère, mon gars. Laisse tomber, t'es comme il m'a regardé, là? Je crois pas, mais d'où il me regarde comme ça, le mec? Putain. Vas-y, viens, je t'expose la gueule, mon gars. Hop là, qu'est-ce que tu vas faire, maintenant? Agenoue-toi vers moi, là. Hop là, un petit suplex, ton petit gars. Boum, plus de tête. Hein, tu vas faire quoi, maintenant? Bah voilà, vous allez rien faire, tout simplement. Oh putain, j'ai eu de la chance. C'est la première fois que ça m'arrive, ça, dis donc. Oh là là, généralement ça appuie jamais sur X. Et là, mon gars, ça appuie sur X tout seul. Putain, ça c'est bon. Il y a peut-être une plante jaune là-bas, donc je vais pas prendre de risque. Enfin, je vais prendre un risque, justement. Voilà, petit suplex. Boum. En espérant qu'il ait pas de tête. Nickel. Ça c'est bon. Bon, c'est parti, on y va. Normalement, il y a plus personne qui peut nous tirer dessus. Juste regarde au cas où il y a quelque chose. Non, c'est bon. Et c'est là que le mec il nous tire une flèche à travers le mur. Oh putain. Le mec, je déboîte. Enfin bon. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Ah non, il n'y a pas là. Et là? Et là? Et là? Il n'y a rien. Ok, bon, dommage. Il n'y a pas une plante jaune? Si, là, il y en a une, c'est obligé. C'est obligé, là, il y en a une. Je le sens. Ou alors une plante verte. Ah merde. Oh, bah dis, tu vois, comme quoi. Soit j'ai jamais vu, soit j'ai complètement biais, et puis voilà. Attends. Et bon, je m'en rappelle pas avoir déjà vu la poubelle, là, franchement. Oh, normalement, il fait une tête ici, il a rien du tout. Or, sinon, ça doit pas être ici. Putain, là, c'est une plante verte, quoi. C'est nul. Bon, on prend les fusils à pompe, ouais, pourquoi pas. Intéressant. Ouais. On va essayer déjà de le défoncer, lui. Ta gueule, merci.
Voilà. Non, parce que c'est pas qu'on n'a pas envie de se faire défoncer, mais un petit peu quand même. Là, on prend la grenade parce qu'on n'est pas con. Oui, je m'en fous. Putain, y a pas une plante jaune vers là, là? Putain, c'est obligé, y a une plante jaune vers là. Attends, non, là, ici, je crois que c'est là. Putain, ouais, donc c'est mort. La plante jaune, elle est en bas, mais c'est mort. Pas perte de vie ici? Je vais essayer, mais je garantis rien. Et franchement, pas perdre de vie ici, ça m'étonnerait. Alors, toi, tu fermes ta gueule, merci. Tu dégages. Voilà. Nickel. Tu fais ça. 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 Encore ça. Encore ça. Et encore ça. Voilà, bon. On va pas non plus exagérer. Voilà, il est un peu con. Heureusement pour nous. Bah, c'est génial, ça, dis donc. Là, on se fait plaisir, là. Oh, nickel. Bon. Heureusement qu'il est à moitié con, ce mec. Et en fait, il est aussi gogol que les autres, du coup, ça fait plaisir. Non, même pas, on le touche pas. Bon, dommage. Aïe, putain. Je fais mal. Ok. Voilà, putain. Et franchement, c'est magnifique, hein. De pouvoir faire ça, quand même, de pouvoir les niquer aussi facilement, comme ça, juste avec de la patience et un petit peu de tir dans la tête, nickel. Ça fait plaisir. Bon. Là, par contre, ça va être chaud. Parce que là, il y a tout le regroupement. Ce que je vais faire, c'est que lui, je vais la tirer. Allez, je suis là. Oh putain! Oh là là! Oh, oh là! Vous avez vu l'esquive! Mais reviens! Je me suis tapé une esquive de ouf pour rien. T'es sérieux là? Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Non! Putain, c'est un grand malade ce mec. Vas-y, viens, je suis là. Viens là! Et t'es con, tu le fais exprès? C'est bon, on se calme. Parce que... D'accord. Oh putain, calme-toi la manette, calme-toi. XXX. Non mais la manette casse pas les couilles, putain, salope là. Mais je m'en pas les couilles. Oh, t'as eu de la chance que ça a fonctionné ma petite, parce que sinon... Non mais j'ai avancé, mais t'es lent Léon, t'es lent. Putain, tu te retournes et t'avances. Vas-y, t'es vraiment un fils de pute là. Bon, là ça fait plaisir. Là, c'est cool. Et là, on va le défoncer. Voilà. Donc, du coup, on en refout une deuxième. On est des fous. Non, mais voilà, ils m'ont saoulé. Ils m'ont saoulé. On en refout une deuxième. Et puis, on est nickel. Voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. Lui, on va le défoncer. Parce que lui, il a l'air d'être résistant. Voilà. Lui, il doit plus rester beaucoup de vie. Bon, d'accord. Si on lui fait rien aussi. Voilà, nickel, comme d'hab. Hop là. Et là, franchement, on est bien. Ouais, non, mais c'est cool, là. Franchement, j'ai bien fait de pas reprendre de la vie. Ça a été assez simple. Oh, nickel. Putain, arrête la manette, tu me casses les couilles, c'est un truc de fou. Je veux bien que t'aies à moitié déglingué, mais quand même, faut pas exagérer non plus, hein. Non, mais attends, c'est vrai, quoi. Ouais, on ouvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, un petit bijou, nickel. Parce que je le savais déjà, je suis con, moi, qu'est-ce que je dis? Genre, en mode étonné. Oh, un petit bijou. Non, je le savais déjà, hein. Mais bon, c'est pas grave. Attends, y'a pas quelqu'un là? On sait jamais, tu sais, des fois, hein, dans les conneries. Voilà, nickel. Hop, on prend la plante jaune. Donc, comme quoi, ça sert de savoir quand il y a des plantes jaunes ou pas, tu vois. Voilà, donc là, hop, on reprend de la vie, une bonne fois pour toutes. C'est vrai que j'avais dit qu'on n'utilisait plus, et qu'on utilisait pour l'autre connasse. Comme quoi, je suis un peu con, des fois. Allez, on s'en bat les couilles. Ah, voilà. Non, mais trop tard, trop tard. Non, mais la prochaine fois, je serai moins con. Et puis voilà, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, hein, il y a des fois, voilà, hein, je suis parti dans un délire, j'y vais, quoi. Ah, putain. Bah, c'est pas très grave, c'est pas très grave. La prochaine, ça sera pour elle. Ah, putain. Malgré que ça aurait été pas mal que ce soit celle-là pour elle. Putain, bon, c'est pas très grave. Allez, voilà, c'est bon, elle est contente. Je crois qu'on a bientôt fini le chapitre, en plus. Ouais, voilà, oui, bon, on s'en fout, voilà, elle se fait choper, machin, on s'en bat les steaks. L'autre, il sait qu'il est filmé, enfin, bon, voilà, on s'en fout. Donc... Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ah oui, ok, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Donc on va récupérer les munitions. Fusil à pompe? Ok. On va récupérer, pas tout de suite. On va récupérer munitions sniper. Ça c'est pas mal.
On va améliorer la TMP. Voilà. Comme j'avais dit, hein, au prochain marchand, hop, on améliore la TMP. Non, quoi qu'avant, on va faire un petit truc avant. On va se faire le truc là-bas. Non, mais bon, on en profite, hein, dès qu'on peut, on en profite. Voilà. Putain, mais pourquoi ça fait ça, là? Non, mais regarde, mais il tient la TMP super haut, là. Vas-y. Voilà. Quoi? Putain, mais... C'est sérieux, là? Allez, relance ta putain de... Eh, toi, casse pas les couilles, s'il te plaît, là. Non, mais attends, cette manette, mon gars. Allez, rouvre. Merci beaucoup. Non, mais non. Oh, vas-y, mais t'es sérieux? Putain, mais nique ta mère, là. Mais c'est quoi, cette mitraillette, là? Mais c'est rond de la merde. Non, mais c'est une mitraillette de merde, t'es sérieux, quoi? Mais t'as vu comme ça vise que dalle. Putain. Vas-y, je vais faire ça en 2 secondes, là. Il m'a saoulé, l'autre, là. Voilà, casse pas les couilles. Putain. Non, mais bon, c'est bon. Vas-y, mais putain, mais manette, ferme ta gueule, mais... T'as aucune raison de te déco, là, salope, là. Allez. Vas-y, relevez-vous, machin, nanana. Oh, vas-y, arrête de casser les couilles, là. Allez. C'est bon, là, il faut se concentrer et tout. Toi, tu casses les couilles. Voilà, cassez-vous. Allez, allez, les suivants, s'il vous plaît, c'est long. Je crois que les suivants, ils sont à l'arbalète, donc ça fait un peu chier. Putain, c'est bien ce qui me semblait. Non, 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 recharge pas. Putain, elle a rechargé, mais elle est sérieuse, mais... Mais putain, t'es con, Léon, t'es con. Mais c'est un truc de fou. Voilà, là, c'est mieux, Léon. Hein, il est intelligent, il a pas rechargé, le petit. Putain, franchement, mais il faut tout faire à sa place, quoi. Bon, optimiser, voilà. Allez, c'est parti, on optimise la TMP. La contenance de la TMP, l'exclusif, c'est quoi? Augmente la puissance de l'arme. Ouais, bah allez, pourquoi pas. On est des oufs, on a du pognon, on en profite. Bon, le black tie, la contenance, pour l'instant non. Ce qu'on va faire, c'est la prochaine fois on améliorera le black tie à la limite. Là, ce qu'on va faire, on va vendre. On va vendre fusil à pompe, allez, on est des fous. Voilà. On va... Putain, mais casse-toi. T'es vraiment une connasse, hein. Bon, voilà. On va... Et bon, on va rien faire, ok. Bon, on va essayer de voir si... Si on peut pas aller là, ici, là, ici, là, tu vois, ici, là, on va essayer de choper la dernière lignée. Donc, tir rapide, on prend la bonne petite mitraillette, qui est bien sûr pas optimisée comme la nôtre, mais bon, ça, c'est pas très grave. Hop là, allez, s'il y a moyen de défoncer un peu de... voilà, du zombie. Bon, une zombie en bois, mais bon, ça, c'est qu'un détail, hein. Voilà. Ah, mais c'est quoi ces... Putain. Vas-y, fais pas ça. Oh, mais d'où je l'ai touché? D'où? Putain, vas-y, mais je l'ai pas touché, là. C'est ce putain de mitraillette, là, qui est nul, là, en visée. Putain, mais putain, même avec le pistolet, j'y arrive mieux, quoi. Ouais, quoi que... Le pistolet, c'est aussi de la merde. Et franchement, casse-moi pas les steaks. Mais non, mais t'es sérieux là? Et en plus, c'est le truc derrière. Mais comment tu veux que je fasse tout, moi? Il y a le truc derrière, il y a les connasses là qui se mettent derrière. Non, mais t'es sérieux là? Vas-y, c'est dégueulasse. Allez, allez, plus vite. Putain, mais qu'est-ce que t'écris le 2 ans là? Le putain, t'écris d'un coup là, tu mets le truc là. Qu'est-ce que tu fais un balayage à la con, je sais pas quoi là. Allez, hop là. Voilà. Allez, putain, mais. Oh, mais arrêtez, mais c'est chiant, mais... Voilà. Tu sais que j'ai failli la toucher, là. Espèce de connard. Allez. Voilà, mets ta merde. Eh oui, voilà. Putain. Oh. Oui, je l'ai eu. Je l'ai peut-être eu qu'en 50, mais je l'ai eu. Oh là 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 là. Putain, ça c'est bon. Allez, une petite dernière et puis on a les 6 normalement. Voilà. Waouh, trop génial. Allez, voilà. Youpi. Génial. Et tu vas lui tirer dessus là, putain. J'ai cru qu'il avait tiré sur l'autre, quoi. J'ai eu peur. C'est un truc de fou. Vas-y, viens là. Viens là, viens là. Voilà. Allez, on va aller côté gauche.
Voilà. 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 On s'en bat les steaks. On tire. Voilà. Putain. Et ça vous amuse de faire de la merde comme ça là? Allez mais putain. Oh, oui. Oh j'adore, c'est quand tu descends le viseur mais tu tires en même temps et ben ça fait pas bouger le viseur. C'est bon? Voilà enfin. Putain. Vas-y, il m'a cassé quoi avec son jeu de merde lui? Moi je te crève moi. Tiens, enculé de merde. Putain. Allez, vas-y, casse pas les couilles, vas-y, donne le pognon, 50 000, t'es content. Putain, eh, ça va que tu me donnes 50 000, parce que sinon, je crois que j'aurais... Allez, c'est bon. Toi, mon gars, ferme... Ouais, quoi que je... Non, vaut mieux pas que je fasse ça, parce qu'il réapparaît pas avant, je sais pas combien de temps après. Mais pourquoi je recharge, moi? Ok. Allez, 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 sortez de la cachette, là. Eh oui, on s'est escapé, je sais pas quoi, là. Vas-y, c'est pas grave, on recharge. Allez, viens! C'est bon, on peut y aller? Putain. Vas-y. Ça saoule, ça. Allez, on récupère le bijou. Putain, il meurt jamais. Putain, mais c'est un truc de fou ça. Allez, ouvre-moi ça là. Putain. Non, mais regarde-moi ça là. J'ai utilisé je sais pas combien de balles là. Ouh là 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 là. Viens là, toi. Non, casse pas les steaks. C'est bon, les autres ils m'ont vénère là. Putain, mais je sais pas, tu utilises pas combien de balles là pour un zombie. Voilà, casse pas les couilles. Putain, allez. C'est quoi ça? Une plante rouge? Ok, nickel. Là, des balles de pistolet, même pas de mitraillette. Ok, bah si tu veux. Alors, sinon, on va utiliser le sniper. En plus, qu'il est devenu super puissant, on va pouvoir bien en profiter. Alors, juste au niveau des balles du pistolet. Ouais, bon, allez. C'est parti, on va. On va. À mon avis, je pense qu'on va esquiver le premier et on va tuer le deuxième. Voilà, donc on va prendre ça. On va prendre les balles de Magnum, malgré qu'elles vont nous servir à rien. Juste à gagner des sous-sous. Alors, on va esquiver le premier. Hein, vous allez me dire que je suis un lâche, mais bon, non, c'est plus au niveau tactique quand même. Parce que sinon, après, j'aurais pas assez de balles pour la suite. Enfin, si, j'en aurai assez, mais bon, je vais pas utiliser 10 milliards de balles non plus. Et voilà, donc... Attends. Hop. Non, y a rien. D'accord, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais non. Donc, on va utiliser le premier, et puis après, on verra bien. Alors... je sais plus. Je crois que c'est le vert, je crois. Hein. Je crois que c'est ça. Et puis le bleu. Ouais, c'est ça. Bon, il y a le rouge aussi quand même, un minimum. Voilà. Bon. Ça c'est fait. Je m'en fous de ta vie, merci. Voilà. Bon, on récupère ça, pourquoi pas. Voilà. Bon, du coup, maintenant on va récupérer les balles de mitraillette quand même, parce que bon, c'est toujours serviable. Et on va récupérer ça. Quoi? C'est écrit quoi? Je rêve ou c'était écrit examinar? Je crois que oui. Hein. Salut. Voilà, non mais j'ai autre chose à foutre moi que de te parler. Quoique, ouais non, parce qu'en fait si, ouais, je fais bien, parce qu'après justement... Non, justement, j'aurais pas assez de balles si je commence à tuer lui avec... parce qu'après je vais avoir un truc à... Ah mais là il y en a deux à tuer. Oh. Ah ouais. Ah putain, bah je suis même encore plus que bien quoi. Ah ça va être chaud quoi. Au niveau balle, je sais pas comment je vais faire. Il hein. faut vraiment que je range ça moi. Hein. Oh, au niveau balle, je sais vraiment pas comment je vais faire. Il y a intérêt qu'il soit assez puissant. Bon, tu sais quoi, on va y aller au pistolet. Tiens, méchant. Non mais recharge pas. Mais recharge pas mais... Mais t'es complètement con mais... Léon. Il n'y en a pas deux comme toi. Mais c'est hallucinant, quoi, Léon. Hein, franchement. Vous avez vu ça un peu? Et c'est même encore plus rapide que ce que je pensais. Quoi. Vous avez vu ça un peu? Non, mais ça... Ça, c'est obligé. T'y achètes. C'est pas possible autrement, quoi. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est une cadence, mais tellement énorme. Encore une fois, je parle pas de la cadence la princesse. Hein, non, je te parle de la cadence de tir.
Ce qui est complètement différent. Voilà, donc là on a que 5000 points malheureusement. Au niveau balle de pistolet, bon bah ça va qu'on a la mitraillette qui gère derrière, mais bon, c'est chaud quoi. Allez, on récupère les balles. Non, bijoux. Ok, bijoux. Tant mieux. Allez, encore une fois, on utilise le sniper. Cette fois-ci, on va utiliser que les 9 balles. Voilà. On est des fous. Allez, allez, allez. Voilà, on fait gaffe quand même, histoire qu'il ne recharge pas cet enculé. Merci. Oh là 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 là. Pff, Léon, Léon, Léon. Bon, tu me fatigues, Léon. Quoi? Et attends. Mais t'es sérieux? Vas-y là. Tu peux pas me laisser te tirer dessus un peu là? Espèce d'enfoiré de merde là. Voilà. Putain, sérieux quoi. Bon, c'est pas très grave. Hop là. Voilà, on récupère les balles de sniper. Putain, on en a des balles de sniper. Au final, on n'utilise pas tant que ça sur eux. Ça va, ça passe. Ah ouais, bon, mode de gaz, ouais. Bon, c'est vrai que j'aurais pu les utiliser, mais bon, sans balestec. On va utiliser la machin, hop, voilà. Alors c'est celui-là aussi, on va l'esquiver, hein, tu penses bien. Voilà, on n'est pas con, hein. C'est pas pour 10 000 points qu'on va se faire chier à faire ça. Donc hop, on récupère ça. Voilà, non, parce qu'en fait, en appuyant sur ce bouton à la con, on peut tout simplement décongeler ici, enfin ouvrir ici, et donc du coup... Ah non, c'est écrit examiner, ok, je pensais que c'était écrit examiner, je lui dis oula. Donc du coup, voilà, après on peut ouvrir ça, mais bon... Ça fait apparaître, enfin ça fait tomber ce connard là, il faut le tuer, tout ça, enfin bon. C'est pas que j'ai pas envie, mais un petit peu quand même, tu vois. Du coup, on prend la plante. Quoique, on est même pas obligé de le tuer, hein. Ouais, mais attends, vaut mieux pas prendre de risque. Allez, on peut pas le tuer comme ça, hein. vas-y, les magnum, enfin le fusil sniper, ouais, le fusil. Et voilà, on va tout simplement finir le chapitre. Quoi qu'il reste quand même pas mal de choses à faire avant de finir le chapitre quand même. Ouais, ça va être long, ça va être long. Du coup on prend ça, voilà, nickel. Moi jusqu'à là tout va bien. Oh, des balles de mitraillette, je les avais oubliées celles-là. Je crois que c'est 50, je me rappelle bien, ou 25. Ouais non, 25, ok. Voilà, on récupère la grenade comme d'hab. Alors cette fois-ci on va essayer de faire la doublette. Voilà, parce que la dernière fois on n'avait pas réussi malheureusement, parce que ça avait fait de la merde, je sais plus trop quoi, enfin bon. Ou je sais plus ce que j'avais fait, enfin bon. Donc c'est compliqué de faire la doublette. On va essayer d'y arriver. Oui, on a réussi les gars. Oh, c'est pas beau ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, attends, on va récupérer un autre. Donc le plus chiant, hein, vous pensez bien. Vas-y, mais c'est lent. Voilà, voilà, si t'as envie. Voilà, donc on va récupérer le petit dernier. Qui casse bien les couilles. Voilà, parce que lui, il a l'arbalète. Et tu penses bien que l'arbalète, bah... Voilà quoi, hein, il peut nous niquer de loin quoi. Alors que l'autre avec son vieux machin, il va rien nous faire quoi. Voilà, donc il est content, il vient. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va faire le même bug que la dernière fois. Donc regardez, c'est marrant. Alors les mecs, tant qu'ils ont pas ouvert la porte, ils viennent pas. Hein. Oh putain, j'adore. Les mecs, ils sont chiés à aller là-bas pour me rencontrer. Puis après, ils font demi-tour pour venir me voir. Ah non, mais bon, c'est quand même assez marrant comme délire. Mais bon. Voilà quoi. Vas-y, viens là, je te défonce. Allez! Voilà. Tape un coup, moi je tape un coup aussi. Tu tapes un coup, je tape un coup. Alors sinon, bah, tu tapes un coup, du coup, bah, je me dis, ah tiens, hop là, bah, du coup, je fais entrer, je tape un coup, et puis là, bah, je te défonce. Ok, alors. C'est bon, nickel? Putain, franchement, quand ça se passe comme ça, ça fait plaisir. Au niveau de là, normalement, il n'y a rien. Nickel, ouais, au niveau de là, normalement, pareil, voilà, hein. Bon, nickel. Alors, normalement, il y a un petit bijou là-bas, puis après, il y a la plante, normal. Vas-y, viens là, merci. Il y a la plante, voilà. Allez, au niveau plante, on est OP, ça, c'est clair. Il y a peut-être une plante jaune ici, je crois, si je me rappelle bien. Normalement, allez, non, mais attends, je suis un bon, de toute façon, je suis un bon. Non, mais attends, attends. Ah, non mais voilà, non mais bon, qu'est-ce que je te dise? Ah, je suis un bon. Bon, c'est le seul jeu où j'arrive à savoir à l'avance qu'est-ce qu'il y a où, hein, bien entendu. Hein, les autres, je m'en bats les couilles, quoi. C'est le seul que j'ai torché comme c'est pas permis. Enfin bon. Du coup, même le BO3 zombie, même le BO3. Même le zombie, j'ai moins torché que ça, quoi. Ok, donc, ouais, nickel. Ouais,
C'est pas que ça m'intéresse pas de me faire déglinguer, mais un petit peu. Allez, salut connasse. Non, mais bon, voilà, on va éviter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le sniper. Ouais. Oh, putain, dit. C'est chiant ça. Alors, le truc, c'est qu'on peut pas. On peut pas l'optimiser, donc on est obligé de recharger. Putain, non, pas ici, putain. S'il vous plaît, quoi. Oh là là. Bon, allez. Venez, s'il vous plaît. C'est bon, tu viens? Merci beaucoup. Non, mais bon, je vais vous tuer petit à petit. Alors, toi, t'es con, t'as vraiment cru que t'allais me toucher comme ça, quoi. Voilà, t'es con. Heureusement pour moi. Putain, il faut vraiment que je fasse gaffe quand même, parce que je prends des risques. De fou. Voilà. Putain, tu saoules, toi, hein. Non, mais putain, mais t'es sérieux, pourquoi t'es aussi rapide, espèce d'enfoiré de merde. Mais non, pas celui de derrière, arrête. Oh là là, mais j'y crois pas, hein. Vas-y, mais t'es sérieux là, déjà? Enfin, déjà, l'autre est toujours pas mort, quoi, putain, bon. Ouais, on va utiliser ça. Alors juste, on va faire gaffe quand même. Parce que bon, il y a des risques de se faire niquer. Voilà, on a eu de la chance, on les a esquivés ces risques. Bon, dommage. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Ouais, mais attends, ça va pas le faire. Il y a peut-être moyen. Vas-y, tape. Casse-toi, mec, casse-toi. Allez, petit à petit, on y arrive. Alors, s'il y a moyen de le foutre une baffe, mon gars, enfin de le foutre une baffe, de le foutre un coup de. Si quelqu'un peut taper, merci. Allez, cassez-vous. Me touche pas. Allez. Quoi? Non, j'en étais sûr. C'était obligé. Je sentais, je me suis dit dans ma tête. Ça se trouve, il va me niquer à travers la porte. Putain, je le sentais. C'était obligé de toute façon. Y'a personne d'autre, c'est bon? Putain, y'a lui là. Oh là 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 là. Bon, les gars, on fait petit à petit, hein, mais bon, c'est nécessaire, hein, comme je vous ai dit, hein, si on veut. Oh, mais je vais me détester un jour, Mais Léon, arrête de recharger! Arrête! J'y crois pas, putain, mais t'as déjà plus de balles et tu recharges, quoi. Mais t'as que ça à foutre. Vas-y, casse-toi. Comment il est où, l'autre, là? Si tu pouvais revenir, ça me serait fort sympathique. Ça pouvait se refermer. Scooboom? Non, pas Scooboom. Bon. Oui, nickel. Allez, casse-toi, mon gars. Ah, c'est comme ça qu'on les nique. Enfin bon. Oh là 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 là. Bon, allez. Je défonce. Avec un petit suplex. Ça, c'est nickel. Ça, c'est bon. Ça fait plaisir. On est tous contents. On rigole. Trop cool. Youpi. Allez, casse-toi. Alors, une petite grenade aveuglante. Ça fait toujours plaisir aussi. Y'a pas un truc ici, là? Non. À part un examiné à la con. Y'a rien du tout. On examinère. Voilà. Du coup. Eh, vous savez comment ça s'écrit BO3 en anglais? VO3. T'as compris? Parce que le V en anglais se dit B, tu vois. Ok. Voilà. Bon. Ouais, non, si tu pouvais aller sur du plat, ça serait plus simple pour moi. Merci beaucoup. Et voilà, mais... Non. Putain de sa mère, je vais tirer dessus, là. Mais nique ta mère, Capcom, nique ta mère. Voilà, donc cette fois-ci, on a pensé à ne pas recharger, hein, voilà. Enfin bon. Voilà. Donc là, normalement, il y a une plante verte, et une sauvegarde. Oh, je suis trop un BG. Alors, par contre, là, il va falloir prendre le sniper, parce que tu... Putain, waouh. Je pense bien que là, sans sniper, ça risque d'être dur. Juste à la mitraillette, on risque d'utiliser un peu trop de balles. Même au sniper, on risque d'utiliser un petit peu trop de balles, je trouve. Hein. Mais bon, après, voilà. C'est comme ça. On récupère ça.
bien entendu. Allez, viens là, je te défonce. Putain, bien entendu, moi, comme un con, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de recharger. Ah, ça va que le sniper, ça lui donne un recul minimum, hein, parce que sinon, ça serait vraiment la merde. Hein. À mon avis, je pense qu'on va utiliser pas mal de balles dans ce... Putain, vous imaginez, déjà, rien qu'avec les normales qui donnent 5000 pétasses, déjà, on en chie. Mais alors, avec ceux-là qui donnent 20 000, on en chie pas tant que ça, finalement. Eh non, mais c'est un truc de fou. Je pensais que j'allais en chier plus que ça, et que dalle, que dalle. Il faut vraiment que je le range, hein, putain. Fin du chapitre, je le range, le truc, parce que là... Bon. Ce qu'on va faire, on va pas aller voir le marchand maintenant, parce que ça nous intéresse pas. Quoique, il y a pas mal de choses à vendre. Ouais, non, ce que je vais faire... Regardez, on va... ce qu'on va faire, on va faire ça. Hop, on va récupérer... Non, il n'y a pas là, putain. Bon, c'est peut-être vers là, dans ce cas. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est sur celui que j'ai pas pété. J'en étais sûr. Putain, mais franchement, quelle connerie, quoi. Allez, voilà. Ils sont contents. Voilà. Bon, du coup, on va prendre le fusil à pompe. Sniper. Sniper, ça fait plaisir. Ah là là, ça fait plaisir. Donc, on récupère les plantes. Voilà, donc verte et rouge. Jaune, rouge. Ok, rouge. Nickel. Et là, on va aller voir le marchand. Putain, ça va faire long. Oh là là, ça va faire long. Mais bon, c'est bientôt fini, hein. On va revoir Ashley et puis c'est fini. Alors. Voilà. Petit à petit, on les défonce. Et on se fait un max de thunes. Voilà, on avait une balle de plus au cas où qu'on se rate. Seulement, nous, on n'est pas nuls et on se rate pas. Pistolet, s'il vous plaît. Ouais, nickel. Petit à petit, on augmente. On a... Putain, casse pas les couilles. On augmente, on est à 50. Pas mal, pas mal. Donc on améliore pour aller à 30. Donc on va gagner 29 balles. 29 balles gratuites, c'est pas mal. Bon, pas gratuites, mais en bonus. Voilà, donc hop. Personnalisé, c'est parti. Et voilà, après ça sera... Oh, on peut encore l'améliorer pour 35. Ça fait plaisir de savoir ça, ça fait plaisir. Ok, ça fait des économies au moins. Voilà, hop. Franchement, là, on gère. Ok, alors là-haut, par... Waouh, waouh, waouh. Bah, à la limite, on va mettre ça là. Putain, ça commence à être chaud, hein. Au niveau rangement et tout, là. À la limite, là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une plante verte, là-haut. Allez, on va prendre la plante verte qui est là-haut. Et puis, c'est voilà, c'est pas grave, hein. On perd un peu de temps, mais bon, voilà. Une plante verte, c'est quand même pas pourri, hein. Bon, par contre, je crois qu'il y a des balles de fusil à pompe, donc on s'en fout. On va juste récupérer notre plante verte. On vérifie quand même. Ouais, tu vois, fusil à pompe. Puis après, je crois que c'est tout. Ouais, voilà, on s'en fout, quoi. Allez, on se casse. C'est parti. On va finir ce chapitre une bonne fois pour toutes. Enfin, je l'espère. Si, si, on le finit, on le finit. Ok. Non, c'est sûr, là, on le finit. Voilà. Donc, vas-y, voilà. Acheter. On va rien acheter du tout. On va vendre par contre. Voilà, donc fusil à pompe, vendre. Magnum, pareil, ça nous sert à rien. Au niveau des grenades, on a pas mal de grenades, on les utilise pas. Bon, c'est vrai qu'on pourrait les utiliser, ce serait pas con. Mélange d'herbe, ouais. Pré-premier secours, non. Émeraude. Allez, hop, donc toi pour l'instant, on s'en fout. Voilà. Et on se barre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va... Et ben on va aller au... Ouais, on va juste... Ah non, il y a ça. Non, justement, c'est dans le chapitre d'après, donc il n'y a pas de souci. On va juste aller sauver Ashley, il n'y a pas de souci. Pas besoin de se faire chier autrement. Ah si, il y a quand même quelques personnes entre-temps. Ouah, c'est pas grand-chose. On va sortir sniper, on va les défoncer. Enfin bon. Allez, c'est parti. Ça va qu'on a des balles de sniper, hein, parce que sinon... Putain. Par contre, vous voyez les mecs là avec les pics. Il me semblait qu'ils avaient des boucliers, les mecs. Ouais, bon, je me suis trompé. Mais bon, malgré tout, lui, il va me saouler, donc... Putain, il est sérieux, là? Putain, lui aussi, il a l'arbalète, cet enculé. On va essayer de faire une double. Pas moyen de faire... Putain, j'aurais pu faire une double avec les bras, mais bon. Trop chaud. Putain. Oh, Léon, t'as failli te faire niquer, hein. Allez, un petit suplex. Ça... Normal. Mais ça fait plaisir, ça.
Allez, voilà, nickel, là on est bien. Alors juste comme ça, je regarde quand même, je vérifie. Putain, il y a lui là. Bon, attends, ce qu'on va faire. Voilà. Attends, c'est stratégique mon gars ce jeu, c'est stratégique. Une pure stratégie ce jeu. Donc normalement il y a deux boucliers je crois. Même pas. On va sortir un peu la mitraillette parce que là je le sens mal. Ok, ça fait plaisir. Alors en espérant qu'il me nique pas, nickel. C'est bien parce qu'ils ont l'air de reculer quand on fait un suplex. Ça c'est cool. Voilà. Il va me niquer, Putain, enfoiré de merde, va, fils de pute. Mais t'es sérieux là? Oh la putain de ta mère, la chienne mon gars, tu peux pas attendre que je réagisse là, putain. Ouais. Mais non. Mais c'est dégueulasse, putain, mais... Capcom, mais vous mettez des tartes dans votre gueule, des grosses tartes, mais... Puis y en a, ils me diront, ouais, mais t'as vu toutes les victoires et de te plaindre. Mais je m'en bats les couilles, c'est une question de respect, putain, tu fais pas des conneries comme ça, là, putain. Oui, mais je tire dessus à ce fils de pute, là, nique ta mère, casse-toi. Putain. Vas-y, tu m'as saoulé. Non, c'est bon, tu m'as saoulé. Allez, casse-toi. Voilà. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire... Bon, on va rien faire. On va tout simplement aller dans la salle... Bah non, c'est bon, c'est fini. On vient de la faire. Et puis voilà. Allez, hop, on passe par là. Non, ils sont là encore? Putain, non. Enculé de merde. Va. Non, tape. J'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur pour un instant. Et tape. Putain, tu sais que t'as fait me toucher, espèce d'enfoiré. Allez, voilà. On déstresse, on va y arriver. Putain, mais oh, mais arrête de... Tu tapes pas dans le machin, c'est pas vrai. Voilà, il est tellement con. Comme d'habitude. Vas-y, hop, là on te défonce. Vas-y. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Vas-y, mais arrêtez de le... Non mais j'ai reculé. Et mon gars, mais ça commence vraiment à me vénère ce jeu. J'ai reculé là, putain, comment il m'a touché. Et comment il court là. Voilà, casse pas les couilles. Tu vois, le problème c'est qu'il faut vite le faire réagir et le faire taper parce que sinon lui il est là, boum, il court d'un coup là, putain, c'est un truc de fou. Voilà, voilà, donc là on a fini le chapitre. Donc c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire avant d'ouvrir, c'est que je vais tout simplement ranger et puis je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Ouais, donc du coup, c'est pas mieux comme ça, hein? Un petit rangement, tranquille, et boum! Hop là, ça fait déjà plus joli, plus rangé, plus nickel. Et puis voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le chapitre, et puis voilà, donc du coup, bon, on est tranquille, et voilà, voilà. Donc on va... Attends, ouais. On va regarder, il n'y a pas... Ah, munitions de fusil à pompe. Munitions de fusil à pompe, je les ai vues. Et là, elles n'y sont pas. Mais bon, c'est pas grave. Ok, nickel. Donc du coup, on va sauvegarder. Voilà, donc le chapitre 5.1 fini. Donc on a bientôt fini le jeu, voilà. Donc hop, on finit le chapitre 5.1. C'est nickel, nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chapitre 5.2. Allez, c'est parti. Non, je rigole. Non, c'est bon, ça fait 1h30 que je joue au jeu, c'est déjà bien. C'est chaud patate. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là. Et puis voilà. Non, franchement, c'est pas bien rangé comme ça. Non, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Je trouve ça bien rangé quand même. Et puis voilà, c'est déjà mieux quand même que quand c'est tout en bordel. Là, tu comprends rien. C'est quoi qu'il y a là? C'est quoi qui... Ouh là là là. Bon. Du coup, on va s'arrêter là. Et puis on reprendra plus tard pour le 5-2. Alors juste comme ça, la semaine prochaine... Moi, je suis pas là.
Il y aura quand même des vidéos, enfin si j'ai réussi entre-temps à préparer les vidéos. Mais normalement, il y aura quand même des vidéos la semaine prochaine, mais en tout cas, je serai pas là. Donc, je pourrai pas répondre aux commentaires ou quoi. Enfin, peut-être, mais je pense pas, ça dépend. Avec la 3G, peut-être que des fois. Mais bon, j'ai 50 émotes de 3G, donc je vais éviter non plus de 3 sur Internet, tu vois le délire, j'ai pas envie d'avoir d'or forfait. Mais bon, voilà, j'essaierai, mais je pense pas que je pourrais répondre tout ça. Et donc, voilà, c'était juste pour vous prévenir. C'est vrai que je vous préviens au dernier moment, c'est complètement con. Non, mais de toute façon, je ferai une annonce en fin de semaine, donc voilà. Donc, de toute façon, il n'y a personne qui regarde Resident Evil 4, donc bon, il doit y avoir peut-être une ou deux personnes, et encore, je suis même pas sûr. Mais bon, je m'en fous, voilà, je le fais parce que j'aime bien. Et puis voilà, donc du coup, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, et voilà. Donc, le chapitre, je sais pas s'il a été long ou pas, mais je sais pas, il a dû durer 1 heure environ, je sais pas du tout. Enfin bon, voilà, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao. La prochaine fois, ça sera le chapitre 5-2. La prochaine fois, ça sera le chapitre 5-2. Après le chapitre 5-3, et après, pour finir, le chapitre 6-1, donc le final. Et puis, on aura fini le jeu, voilà. Et puis après, ça sera l'assignement Ada, donc de Resident Evil 4, encore une fois. Cette fois-ci, celui-là, je le connais un peu moins. On le fera une fois comme ça, en professionnel, mais sans plus, quoi. Ok? Voilà, donc, encore une fois, on essaiera de le faire au couteau. Et puis, voilà. Allez, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis, voilà. Allez, ciao tout le monde! Ciao!